L'excellence, c'est un choix de vie. Pour ma part, c'est ce qui a donné du sens à mon métier de cuisinier. Moi, j'aime bien le mot chemin parce qu'on trouve sa route en marchant. Ça signifie vraiment une volonté quotidienne d'aller vers le meilleur. La base de la cuisine, c'est bien sûr le produit. Dès qu'on prononce le mot terroir, il résonne. Le terroir, il symbolise évidemment la qualité. Dans tous les cas, pour la crème excellence, ce territoire, il est l'assurance d'avoir cette crème Elvire que nous aimons. Aujourd'hui, avec le changement climatique, il va falloir être à la fois malin et créatif. Je fais attention à la façon dont, aux quantités que j'achète, l'utilisation que j'en fais, et puis après, tout simplement, utiliser le meilleur, mais utiliser de façon juste, savoir tout utiliser. Un poisson, les arêtes vont vraiment faire des jus, utiliser la peau qui rentrera dans la préparation d'un plat. Moi, je me sens à l'aise avec Elvire parce que c'est des produits honnêtes, c'est des produits qui sont respectueux. J'aime bien le mot partage. C'est ce mélange absolument nécessaire entre les générations. La jeunesse apporte la fougue, apporte une forme d'inconscience, mais l'inconscience qui fait qu'on avance. Et puis, les personnes plus âgées vont pondérer, vont réfléchir. Transmettre la passion, transmettre le travail bien fait, envie de faire plaisir. Ce qui fait que cette relation avec Elvire, elle perdure, c'est qu'on défend les mêmes choses. Nourrir l'homme, plus que jamais, c'est important. La cuisine, c'est quand même ce rapport perpétuel entre le respect du produit et la construction d'un goût qui amène le produit ailleurs. La crème excellence, elle est notre partenaire de jeu dans tous nos restaurants. L'honnêteté du produit, toute cette chaîne qui est respectée, de l'éleveur auprès lui-même où on pèse les vaches, on obtient un produit qui est régulier. C'est un délice, quoi. C'est un bonheur.